top. Donc colis stratégique de l'ennemi en approche. Ah bah, nouveau chier pour l'hélico, mais bon. Kill confirmed. Wow. Un coup de couteau, je crois, il voulait faire Tullio. Ouais, un coup de couteau, mais il n'y a pas commando dans Black Ops. Donc, si, il y a commando, pardon. Mais je ne l'ai pas pris. Super série là. Ouais, mais beaucoup de points. Oui, beaucoup de points. Parce qu'on est dans le match à mort, donc ça donne plus de points. Ou alors c'est juste. Voilà. À mon avis, c'est juste le nombre. Les points qu'on donne à l'équipe, à mon avis. Ah, d'accord. Ok. Après la map a l'air pas mal déjà, je trouve que c'est assez on peut pas mal se planquer, on peut faire oh là, dommage. Ah mais là ça a cramé. Notre avion anti-espion est actif. Ouais, donc on peut pas mal se cacher. C'est une map assez placée sous le signe du cache-cache. Contrairement à d'autres maps où c'est basé plus sur l'extérieur. Avion espion ennemi en approche. Et on utilise pas mal le snipe. Là par contre on n'utilise que des armes à effet rapproché. Comme une mitraillette, voilà, là c'est. Encore deux kills, je crois. Ah, joli, trois victimes. Poursuivez le combat, on n'aura pas de deuxième chance. On a une bataille. Prêt à oh, dommage, il y aurait pu y avoir une série de 5, mais non. En plus, j'ai vu sur le radar qui était derrière, mais bon, c'est pas. C'est pas assez. Comment ça s'appelle? Notre avion anti-espion est actif. C'était l'un ou l'autre, donc. Avion espion ennemi en approche. Oh non! Ah si, ah non. Putain, je l'ai paniqué. Bah voilà, une assistance. Putain. Là, c'est dommage parce que des fois, les kills avec le petit véhicule téléguidé, c'est assez marrant. Frag out! Les effets de lumière sont encore pas mal. Ah ben là voilà, la limite a été atteinte. Ça fait une partie. Bon bah une défaite, mais bon c'est pas grave. Oh, j'espère que vous avez bien vu là le kill cam. Alors, what? Magnifique, moi je n'ai que ça à dire, c'est magnifique. J'espère que vous avez bien vu assez le multi de Black Ops qui est assez bon. Bon. C'est pas aussi bien que Modern Warfare, mais bon, c'est quand même ça. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire une partie en ligne, mais cette fois-ci sur le zombie. Voilà, donc on va voir un petit peu plutôt le mode zombie, savoir ce que ça va donner. Donc moi, j'ai déjà fait, mais uniquement dans le manoir. Je sais qu'il y a une map en extérieur avec de la glace, de la neige. Ouais, ça c'est dans le pack escalation, Call of the Dead, il me semble que ça s'appelle, oui, Call of the Dead. Mais cette carte est payante, alors pour acheter une carte voilà, à 15€, moi je dis non. Hein. Voilà, et ça c'est voilà un gros défaut, j'attendais que Tullio en parle, hein. C'est vraiment un des gros défauts de Call of Duty, de la série en général, et puis à nouveau dans ce Black Ops, puisque Activision... qui est l'éditeur du jeu, donc le jeu est développé par Treyarch studio, l'autre studio d'Activision, puisque ensuite Infinity Ward développe plutôt les Modern Warfare. Donc là c'est pareil, on a des cartes, donc deux cartes pour 15€. Donc c'est vrai que c'est un petit peu du foutage de gueule quoi, ils se servent de ça et en même temps ils ont un petit peu raison, les joueurs sont prêts à claquer 15€ pour seulement deux maps, donc et si y a 10 maps, voilà, ça fait 10 fois 15€, donc 150€ 10 maps, donc là vraiment
le jeu coûte deux fois plus cher quoi qu'un autre jeu de la concurrence. Je parlerai pas voilà de quel titre il s'agit, mais vous avez tous compris déjà quel titre il s'agit, où il y a déjà toutes les maps, il y a déjà pas mal de maps. Donc ça c'est vraiment dommage. Ben là je parle que ce soit Battlefield 3 ou Far Cry 2, puisque pour moi, pour ma part, je suis un accro à Far Cry 2, voilà. Et l'avantage de Far Cry 2, c'est son éditeur, ce qui permet d'avoir énormément de maps gratuites. Bon, souvent on a des maps mais qui sont ignobles, mais bon, après il faut faire le tri, voilà, c'est tout. Donc mais c'est comme tout, hein, dans les jeux, il y a des maps qu'on préfère, il y en a d'autres voilà, qu'on n'apprécie pas forcément. Moi par exemple, dans Modern Warfare 2, c'est celle que je préfère le moins, c'est celle avec la mine là. Enfin, le... Non, celui avec... la machine d'excavation. Une petite rampe. C'est Dust. Ah, Rust. Ah oui, c'est la voilà. Plus petite. Ouais. Alors tout le monde aime bien la map Rust, et moi par contre, ouais. Ça dépend sur quoi un peu. Voilà. Alors au début, là on est que 3, il me semble, voilà 3, donc c'est de la merde. C'est toujours la même chose. Donc il faut se mettre à un endroit, moi je me mets là, j'aime bien. Au début, n'achetez pas d'armes, ça sert à rien au début, hein, c'est un conseil si vous voulez. Et lors des deux premières manches, au lieu de tirer sur le zombie et perdre des balles inutilement, faites seulement des coups de couteau, vous allez voir, il se rapproche. Okay, je me suis chié aussi. Voilà. Donc il faut essayer 5 fois pour que t'aies un zombie. Voilà. Et au lieu de tuer un zombie au pistolet et vous gagnez 10 points, en que temps, vous gagnez 130 points. Voilà. Voilà, donc oui, moi j'ai pu y jouer juste pendant un jour, en fait, fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, en fait, chez un autre cousin que Tullio. Et voilà, donc on m'a appris un petit peu les bases, donc c'est pareil, on m'a dit coup de couteau tant que les zombies ne courent pas. À partir du moment où ils courent, après il faut utiliser les armes, mais tant qu'ils courent pas, on utilise tout le temps le coup de couteau, qui est vraiment très pratique. Hein. Et ensuite on peut reconstruire les obstacles avec la touche carrée, donc qui permet d'éviter à ce qu'ils arrivent rapidement dans le lieu où on se trouve. Donc là on peut voir qu'ils arrivent de partout, donc ils arrivent au premier étage, ils arrivent aussi au rez-de-chaussée. Voilà, donc on est un petit peu surchargé. Mon karma s'est amélioré. Voilà, donc là Tullio a réanimé un allié, voilà. Donc en principe, il faut se partager le travail. C'est-à-dire, il y en a deux qui restent en bas et un en haut. Et, mais tout ça, il faut voilà, que ça soit coordonné. Donc voilà, ça c'est la première arme qu'on achète. C'est la mitrailleuse, il me semble. Oui, mais en fait, au départ, il y a deux armes possibles. Donc moi je prends celle-là, parce que j'ai l'habitude. Ouais, mais moi c'est pareil, en principe je prends celle-là. Donc c'est assez pratique quand il y a pas mal de monde. Alors, au départ c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu lent, mais après ça devient très vite surchargé. Ça arrive de partout. Et l'avantage que ça a, c'est que... ça permet de s'échauffer lentement, et puis ensuite, une fois qu'on a pris le coup, d'avoir plus de chance. Alors là, le truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il faut viser essentiellement la tête, parce que si on vise autre chose, on perd déjà pas mal de balles, ou alors il faut viser les jambes pour couper les jambes et pour qu'ils se mettent à ramper, donc comme ça permet de les finir plus facilement au couteau. Alors,
La petite tête de mort que vous voyez en bas, c'est des choses qu'on ramasse. Parfois, certains zombies, quand ils meurent, ils lâchent un truc vert. Et ce truc vert, vous pouvez le prendre. Alors, parfois, c'est munitions max. Vous avez un kill, un tir, un kill, comme ce que j'ai. Bon, je vais. Voilà. Qui n'aura servi à rien. Si, peut-être. Allez. Voilà. Bon, j'en aurais tué un comme ça. Voilà, j'en aurais tué un. Moi, je suis content. Et parfois, ça peut être deux fois plus de balles. Pardon, deux fois plus de balles, deux fois plus de points. Bon, je vais me faire attaquer, c'est pas grave. Alors, je suis le dernier en vie, donc je vais mourir. Donc, cette quatrième manche est donc la dernière. Voilà, donc 4 manches, donc voilà. Je ne suis pas fort, mais je suis premier, donc je suis content, mais bon, voilà. Moi je pense que c'est bon. Ouais, ben moi je voulais juste signaler aussi que des fois on a une petite explosion aussi dans les bonus. C'est assez sympa. Oui aussi. Ce qui. Tout explosé et donc ça fait enflammer tous les ennemis qu'il y a à l'écran. Oui, voilà aussi. Et parfois ça étourdit les zombies aussi. Ouais. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ce mode zombie est vraiment pas mal. Moi je trouve vraiment plus addictif ce mode zombie plutôt que le mode multijoueur. Bon, en même temps, c'est du scoring, donc c'est assez répétitif, mais par contre, après, ça devient assez intense. Je sais que quand on arrive à la manche 20, voilà, ça court de partout, et puis et après, il y a carrément des masses de zombies qui arrivent par période, hein, et donc faut arriver à tenir le plus longtemps possible pour avoir le meilleur score. Hein. Donc on va se quitter sur à nouveau cette page menu de Call of Duty Black Ops. Et donc on vous donne rendez-vous après pour d'autres game live. On ne sait pas encore sur quel autre jeu ça sera. Mais on va en faire assez régulièrement avec Tullio puisque ça sera sur son blog essentiellement. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite des bonnes vacances encore si vous êtes encore en vacances. Sinon, bon retour au travail, une bonne rentrée. Et donc, on se retrouve donc très 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 rapidement sur un autre game live préparé par Big John ACN et Tullio une nouvelle fois. Salut à tous. Ouais, ben moi c'est pareil. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, on se retrouve très prochainement avec Tullio. Allez à tous.